Ny antenne Mirapirenena miara-miasa fandarana asan'ny firenena mpikambana ho an'ny fampandrosoana sy ny tairim-bolan'ny firenena mpikambana ho an'ny fanamafisana fandriam-pahalemana PBF manolotra ho anao. Parlementaire ao mikatsaka ny fanatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana ny lovan-jafy na ny ODD. Nisongadina izany nandritra ny fifanankalozan-kevitra tamin'ny solombavam-bahoaka niarahana tamin'ny firenena mikambana ny talata 20 jona lasa teo teto Tsimbazaza. Nahitana ny mpandrindra ny firenena mikambana sy ny filohan'ny parlementaire panafrikanina. Nazavaina teto fa anisan'ireo firenena nanaiky hanatanteraka ny dingana hatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana lovan-jafy na ny ODD isika eto Madagasikara hatramin'ny taona 2020. Ka ny ministeran'ny toekarena sy ny tetim-pivoarana no mitarika izany. Nisy ny fotoana nametrahan'ny depute fanontaniana na Raimbaly. Je m'adresse au ministère de l'économie et du plan. Comment, en tant que parlementaire et vous, le ministère de l'économie et du plan, nous allons faire, l'Assemblée nationale et vous donc, nous allons faire pour que vraiment ça soit réalisable, pour qu'on atteigne ces objectifs-là. Comment évaluer que nous sommes vraiment en mesure de éradiquer la pauvreté? Quelle est notre assurance pour la continuité, la durabilité, l'efficacité et surtout la rapidité de notre action, notre réalisation, parce que nous savons tous que tous les dirigeants des pays, tous les gouvernances des pays, il y a toujours des changements. Pour dire à nos collègues, ne pointons pas du doigt l'autre. Remettons-nous en cause nous-mêmes et c'est comme ça que nous allons bâtir la société malgache. Et si la population continue à souffrir, est-ce que nous allons bâtir la nation malgache tant que la population souffre? Donc notre objectif principal en tant que député en ce qui concerne les ODD, c'est numéro 16, promouvoir l'état de droit dans l'ordre institutionnel international et garantir à tous accès à la justice. Il y a des gens qui ont été mis en place. Je pense que l'important c'est d'avoir le principe d'aller vers l'atteinte de ces objectifs. Il y a un travail qui est en cours avec le ministère de l'économie et du plan pour prioriser les cibles qui sont le plus pertinentes pour Madagascar et voir quelles sont les cibles qu'ils vont avoir chaque année ou chaque 6 mois et comment on va faire le suivi. Chaque pays peut faire le progrès par rapport à sa propre situation. Je pense que l'important c'est qu'on avance, qu'on améliore la situation de l'économie. Le message que je peux lancer, c'est un message de paix. Pour que les ODD soient atteints ici, il faut que le pays soit en paix, qu'il n'y ait plus d'instabilité politique. Donc l'ODD numéro 16 interpelle tout le monde. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale, je voudrais féliciter le président de l'Assemblée nationale et la représentante de résidence du PNUD pour les efforts qu'ils sont en train de déployer pour que nous, parlementaires, nous connaissons la substance des ODD. Tanjou, dia tokony afaka mamola vola lalana, mamaly ny takiny tanjou fampandrosoana lovan-jafy na ny ODD ny parlementaire. Manara-maso ireo lalana, ny politika nasionaly ary ny paikady izay ho tanterahin'ny gouvernement.